Elle est mal sortie des boîtes. Oui. Elle n'a pas voulu s'employer, mais elle était en chaleur. Et j'ai découvert après avec le véto, que le vétérinaire, qu'elle était bien bien en chaleur et qu'elle avait même ovulé le jour de la course. Donc ceci explique cela en partie. Et D'accord. pourquoi en partie? C'est que c'est une pouliche qui est devenue très très difficile le matin. Pour galoper, c'est très compliqué. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas montré de mauvaise volonté en course. J'espère qu'elle ne montrera pas, parce que si elle montrait le même caractère en course qu'elle montre le matin, je pense que sa carrière de course serait très compromise. Donc, j'ai envie de dire que pour cette course-là, il faut la regarder courir, à savoir que comme elle ne travaille pas exactement comme on voudrait, elle peut manquer d'une course, mais si jamais elle y mettait de la bonne volonté, elle courra toutes les 3 semaines, parce que enfin le programme nous permet de courir à peu près toutes les 3 semaines. Je n'aurai pas besoin de travailler le matin. Et voilà, donc voilà. Moi, je resterai très, très, très prudent pour sa prochaine course, voire la regarder courir. Point. Alors, vous êtes dans l'expectative, quoi. Ah bon, complètement, complètement. C'est une pouliche qui a des moyens, on l'a vu l'année dernière, mais elle est extrêmement difficile, quoi. Le matin, je peux pas faire canter tous les jours avec elle le matin, Ouais. vous voyez. C'est bien Parce dommage, que quoi. elle refuse de partir. Ben, c'est dommage, parce que c'est une très belle pouliche, et qu'elle a vraiment des moyens, quoi. Elle est limite listeuse, cette pouliche-là, mais le matin, c'est l'enfer, quoi. Donc, voilà. C'est Voilà, encore voilà. plus dommage que le handicapeur la baisse considérablement aussi. Ouais. Bah, il a pas le choix, parce que de toute Oui. façon, faire les prestations qu'elle fait, c'est tout. Il y a Ça mérite pas pas, plus, oui, il y bien a pas, sûr. il y a, bah non, ça mérite pas plus. Bah, toutes les façons, c'est clair. C'est où ce rythme que je lui donne. Bon, elle saute tous les jours à la place de faire son canter. Elle aime bien sauter, donc elle saute tous les jours et ça se passe assez bien. Mais il faut savoir que si elle se met, ce qui n'est jamais arrivé avant, si elle se met à avoir le même caractère l'après-midi que le matin, c'est tout simplement foutu pour les courses. Voilà, D'accord. pour parler clair et direct.